On a une expression dans le groupe. C'est cadeau. Bah la chanson qui va venir, c'est cadeau. Vous aimez le cinéma? Oui. C'est con. On va se prendre la gueule. Qu'est-ce qu'on va se marrer? Ok. Vous l'aurez voulu. Cette chanson s'intitule « T'es dégoûté ». Non, tapez pas dans les mains, vous entendrez pas les paroles, ce serait dommage, ça nous gâcherait notre plaisir. C'est parti. Kaisersauce, c'est l'infirme. Pete Norton, c'est le même. Euthanasie. Et dans le sixième sens, Bruce est mort. Laurence d'Arabie, bah c'est un mec. Tu connais bien? Ouais. Elle finit. Pardon. Au bout d'une corde. Elle finit au bout d'une corde quand même. Et Fantomas et Jean Marais. Et Fantomas et Jean Marais. Spéciale dédicace à une autre génération. Ils sont pas là, on s'en fout. T'es dégoûté, eh ben t'es con, t'as pas vu le film, eh ben c'est con. Troisième couplet, c'est le dernier. Sweeney Todd. Il tue sa femme par erreur, car dans Star Wars, attention, c'est des maquettes. Wow. Au nom de la rose, il y a du poison sur les pages. Dans Burn After Reading, Brad Pitt il meurt. Dans l'armoire, il se prend une balle dans la tête. C'est dingue, c'est incroyable. On croit qu'il va pas se prendre une balle dans la tête. Et en fait, il se prend une balle dans la tête par George Clooney. Ouais.
Mais par mégarde. Mais le plus grave, c'est que dans Titanic, le bateau coule. Dans Titanic, le bateau coule. Et dérouté, le bateau coule. T'as pas vu le film? Bah le bateau coule. Fantomas et Jean Marais. Fantomas et Jean Marais. Tu nous fais un solo, Ben? Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est solo. Solo. Ouais, ça, c'est du rock'n'roll. T'es dégoûté. C'est ça qui est bon. T'as pas vu le film? T'as la chanson. Merci. On a plus de chansons.